Bonjour, bonjour. Alors, dernier préparatif ici à La Réunion pour notre voyage qui démarre dans quelques minutes. Après, direction l'aéroport de La Réunion pour un vol vers Maurice. Escale de 2 heures à peu près à Maurice. Et puis après, direction Dubaï. Oui, on va à Dubaï. Là, on va vous faire visiter cette grande métropole sortie du désert et qui attire des millions et des millions de touristes. Actuellement, la première destination touristique au monde, Dubaï. Hein, donc, on y va dans un instant. Bon, il y aura Julie avec moi. Hein, c'est elle qui tient la caméra là. Coucou. Et ben après, bon, on fera un petit peu découvrir tout ce qu'on peut trouver là-bas comme spot touristique ou autre. Oui, non, grandiose. Tout ce qui est grandiose. Ah ben, là-bas, est là-bas, c'est la magnificence incarnée. Exactement. Incarné, mais je ne connais pas parce qu'on m'a les ongles aussi. Réincarné. Maintenant, les ongles incarnés. Après, même petit carnet aussi, mon poste aussi, voilà. Parce que des fois, on a besoin de prendre des notes. Hein. Ben bon, voilà. On arrête de plaisanter parce qu'elle nous prend l'avion dans un instant. On nous retrouve tout à l'heure, les potes. Ok, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Welcome to Mauritius. Mauritius Island, oui, tout à fait. Pas trop longtemps, hein, deux pas heures pas trop longtemps, juste 2 heures. Ouais. Mais et voilà, on regarde le super avion, la Fly Emirates. Ah, regarde, ça fait rêver ça. Bon, allons. Ça commence bien en transit à l'île Maurice, en train de manger un burger. Un burger au poulet. Ben ouais. Servi par des Indiens. Et c'est comme ça qu'il faut rentrer de vente avant dans l'avion. Ah ben oui. Ah bon. Parce qu'on a 6 heures, 7 heures de vol là. Oui. Direction ça encore Dubaï. Ah. Bon allez, nous retrouvons tout à l'heure là-bas. Hein. À tout à l'heure, Dubaï, Mamaï. Ma présentation, le soleil de Dubaï. Alors ça fait quoi d'être en Fly Emirates? Ah, ça me fait rêver, sauf que moi je vais être dans l'étage en haut. Parce que en fait tu as deux étages, tu as celui du bas et celui du haut. Celui du haut, on a les Kushana, tout ça des fois. Pas mal. Prochaine fois, on va tester un peu. Bienvenue à Dubaï. Exactement. Là, on est encore dans l'aéroport. On vient d'arriver, il est minuit. Il est minuit, très lumineux. Hein. La fume, pas moins. Ben oui, mais ça ne regarde que les panneaux publicitaires. On nous passe la police et puis nous récupère les bagages. Énormément. Ouais. Il y en a beaucoup de personnes de l'Europe de l'Est ici, quand même. Ah oui, ah, ouais, énormément. Beaucoup de personnes. Bon, allez, on fait la queue. Ben oui. La chambre d'hôtel, tu t'habilles pour aller dans le désert. Je t'habille pour aller dans le désert, tout à fait. Bon, ben ok, on y va alors, hein. Oui. Dans le désert. Direction le désert. Moussa, dans le désert avec un robe rouge comme ça. Mais bien sûr. Et où papier si chameau ils foncent si où? Vous connaissez un peu chameau, les pareils, bon taureau, ça vous connaît. Quand ils voient affaires rouges, ils foncent dessus. Mais il va laisser au grain sur le chameau. Bon, les bon, au moins comme ça, dans le désert, on connaît le rouge soupé à Daou là. Hein. Non, ils trouvent pas facilement ça, le rouge. Bah, le rouge, je confonds avec le jaune de la. C'est-à-dire, il veut faire un style genre Sex and the City. Bon, voilà. Dubaï, bloom, bloom. Bling, bling, genre. Non, non, mais dis pas bling, bling, mais dis bloom, bloom. Mais. Dis bloom, bloom, ben. Alors. Bon, allez, allons, non. Allez, à tout à l'heure. Le chauffeur, il y a tant à nous. Voilà. Mais bon, allez, dis. Nothing. No, in the road also there. Okay. And the people will going by camel.
Avec le chameau. Chameau. Oui, ouais. On se déplaçait avec les chameaux. Avant, il n'y avait que du désert ici et après, c'est devenu une ville. Alors qu'avant, il n'y avait que du chameau, une seule route et une route pour les chameaux. Tout à fait. Et on te dit que pour aller, on est dans l'ancien Dubaï, hein, on est dans le vieux Dubaï. Mmh. Et pour aller dans le nouveau Dubaï, pour Khalifa et tout ça, il faut 10 minutes. Mmh, ils ont attention parce que le taximan ici, il taxe à où. Tu me fais un gros plan sur le taxi parce que là, nous, on a une belle voiture 4x4. Elle a fait comme les Malbars de la Réunion, on la laisse plastique dessus. Yes. The same road, hein? Yeah. To go to the new Dubai. No, Burj Khalifa. Burj Khalifa is there. Yeah. Okay. You see Burj Khalifa? Yes, okay. You go to Burj Khalifa before? Oh. Never go to the Burj. Next time, yes. It's yes. The first time at Dubai. First time? Yes. Sorry, you? No, not, but... You come before? But it's a long time ago. A long time ago. Long time you come yes, before? Yes, 4, 5, 6 years ago. 26 years ago. Oh my God. No, not 26 ans. No, 7 à 8, 7 ans. Ah, just, okay, d'accord. You will come anytime, you will see Dubai. Change. Yeah, okay. Anytime you come to Dubai, it's change très vite. Hein? But that's hein? Wonderful place. I love Dubai. Come on, don't go. Yes. Sit here. Okay. And you love the old or the new Dubai? You prefer what do you prefer? My old Dubai is very beautiful. But Dubai, why you don't like old Dubai? Yes, I love, but I want to see aussi the new Dubai. Vous n'aimez pas le vieux Dubaï, vous préférez le premier là aussi là. Non, mais les jolis là. Attends, m'explique comment on a fait. You see, you want to stay to Dubai or you want to go to back? No. We stay only Dubai. Khalas, don't go your country. Where's your country? France. Yes. Don't go France. Dubai same like to France. Yes, I saw that. I want to stay here. Welcome. This Mister don't want. Welcome. T'as bien arrête pas ici, moi. Me prends mon chemin, me rentre la réunion, moi. Yes. Non, mais moi j'aime beaucoup. Hein. Moi aussi, t'es gamer resté. Bon. Dubai loving all people there. It's a wonderful place to all the people of the world. There in the rule for in the every people. One rule, no difference, any rule there. Yes. Yeah. Local, not local, everything rule together. Mm-hmm. I saw that. Yes. There, my Prime Minister, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Yes. Sheikh Mohammed? Bin yes. Rashid Al Maktoum. At Maktoum. 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 Yeah, his family name, last Al Maktoum. Al Maktoum. He will going alone, Dubai Mall. Mall, ouais. C'était un grand constructeur lui. Hein, c'est lui qui a construit Dubaï. C'est le fils du premier tchèque. Very good. Dubai Prime Minister home also. Ah. Okay. Yes. Okay. This road is going to the desert. This road going to the desert. But no problem. I show c'est you. La route pour le désert. Oui. I'm taking the other road for Prime Minister home. I show you. You will inshallah you'll enjoy. Thank you. And it's also office or is it commercial building? Commercial building. Commercial building, okay. Yes. C'est un building que tu vois, pour faire des affaires aussi. Voilà. Hein, parce que World Trade Center. Oui, forcément. Ici, c'est la maison du ministre, c'est ça? The home of the minister. Dubai Prime Minister. Prime Minister. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Yes, yeah, he's there, he's live there. Yeah. Mohammed. Ben, il habite dans un joli case, hein. Magnifique, oh là sa maison, on a vu son allée. He's there? Yeah, inside. Maybe he's outside, I don't know. Ah. Ouais, il sait pas s'il est là, hein. Wow. Mais là, c'est sa maison. Mais il rentre ce soir dormir, ça c'est wonderful. Sûr. Wonderful. We can visit his home? No, inside not allowed. When, just... pas possible de visiter. Just outside. Yeah, where is this car in the Dubai yes. police car? Yes, okay. Only there.
Ok, ouais, parce qu'il y a beaucoup de touristes hein, qui viennent regarder. Viennent regarder loin, mais ne peuvent pas rester. Voilà, parce que c'est gardé forcément, tu as des vigiles. Donc voilà. Voilà, en tout cas, un super jardin. Ah, hein. C'est magnifique. Un jardin à la française. Hein. N'en sont pas, regardez. Carrément, le petit Versailles. Petit parc de Versailles. Et là, tu as le désir. Before this Burj Khalifa area, yes. Yes. All desert area 1992-93, this desert area. Ah, ouais. Wow. À côté du Burj Khalifa, ils ont fait beaucoup d'immeubles, hein. Que des gratte-ciels. Wow. Ça pour aller dans le désert hein. Bah oui hein, je n'ai pas de prix hein. Pas de prix. J'adore le prix, magnifique, j'adore. J'adore. Magnifique. Wow, perfect, thank you. Je pense que le pas besoin de faire le truc hein, là où fait déjà hein. Quoi? Il n'aime pas aller dans le désert? Si. Hein? On l'a peur. C'est joli mon truc, hein, tu as vu? Bah oui, ouais. Allez, on va faire les jeans du désert. Voilà. Hein. Tu as compris pourquoi on a dégonflé les roues tout à l'heure? Non, ben l'ami comprend. Parce que pour faire du 4x4 dans les dunes, il faut avoir les roues qui sont presque à plat. Ouais, on c'est ça. Comme ça voilà, on donc pas. Là, on glisse pas et ça va. Ça va être rapide, ça va être top. Hein. Et ça, un soulier pour lui dans le désert avec. Je te jure. Hein? Ah, ça, c'est un soulier tout terrain. Ça, un soulier tout terrain. Ouais. D'accord. Allez, ici, on va faire un peu des. Ça, c'est le 4x4. T'as vu comment c'est impressionnant. Hein? Ah, elle est super, hein? Franchement. Elle est... Parce qu'il faut être un chauffeur. You are a good driver. Yes, it's very dangerous. Huh? It's not dangerous. Yes, it's very dangerous. I don't can drive a car with you because you are it's your job. It's my job. It's a job. Okay. Huh? It's very nice desert. You know, before in the UAE Arab Emirates, this like desert. All right. Okay. Now you see all building. Mashallah. Is possible to lost in this desert? Lost. You can lost in this. Yeah, desert. You will lost also. You call 999, Sharjah police, he will come to help you also. Ah, okay. Ouais. Tu peux te perdre dans le désert, hein? Mais tu peux appeler la police. Oui, et... he will help you. Yeah, he will come to the desert. Oh, okay. Yeah. Oh, ouais. With the GPS? Yeah.
Ah, okay. GPS. In the UAE government. Oh. Okay. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the Prime Minister of UAE Arab Emirates. Yes. He do his work. His father, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Yes. Now, after he'll come Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Yes. Now his brother, Mohammed bin Zayed. Mohammed bin Zayed. Prime Minister of UAE Arab Emirates. Là, il faut que tu enlèves tes chaussures pour marcher dans le désert parce qu'on va faire une petite marche dans le désert. Ouais, hein? Allons marcher. Allez, allons marcher. Je suis prête. Hein? Marchons dans le désert. Walk to the desert. Yes. Okay. It's not usually for you. What? It's not usually for you. Usually? No, usually, no. It's not usually for me. You walk generally in the world, in an island. But, oui. Non, mais d'habitude, marche dans le sable. La plage. Ah oui, d'accord. Donc c'est bon, on n'a pas trop dépaysé alors. Non, ça va. Hein? Mais bon, on économise de l'eau hein? Parce que si au cas machin, il n'a pas de l'eau, là, on mort de soif, nous là. On n'a pas un chier chez la. Ah bon, d'accord. Alors. Magnifique désert. What's your name? Abdelrahman. Abdallah. Abdallah. Abdelrahman. Ah, ok. Je t'avais dit qu'il faut s'habiller en blanc ici et non pas en rouge parce que le blanc se voit bien dans le désert, le regarde. Rouge aussi, tu vois? Hein? Et là, souper à Daou, comment il fait? Ben, il trouve vraiment un rouge comme ça, il ne trouve pas dans le désert. Là. Hein, là, il faut savoir un chameau, c'est-à-dire. Enfin, un chameau pour moi, un chameau pour. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Mais bon, allons. Hein? Et les gaillards, le désert. Hein? Magnifique, hein? Comment une photo? Oui, il fait la pause, hein? Il a plu un peu dans le désert, chose qui arrive presque jamais. Mais en dessous, si tu regardes, c'est sec. Hein? C'est super sec. Ah ouais. C'est waouh. Ah ouais, c'est sec en dessous. Hein? Mais dans le désert, c'est comme ça. Hein? Ouais. On va toucher un peu le sable de Dubaï. Oh. Ah ouais. Waouh. It's dangerous to drive in because. After raining. Yes, today morning was raining there. Yes. Huh? After raining, après la pluie, il y a une petite couche qui est mouillée. Et après dessous, c'est sec et donc ça s'enfonce beaucoup plus rapidement. Ah oui. Hein? Et c'est pour ça qu'il a dégonflé les roues tout à l'heure pour avoir une surface beaucoup plus large. Une bonne adhérence sur le sable. Hein? Tout à fait. Ah ouais. Wow. On peut faire des maisons avec ça. It's possible to build a house with this. Elle conduit lentement à cause de la pluie. C'est une tradition ici quand on fait les dunes de sable avec le 4x4 de mettre la musique à fond. Ah oui, ça donne une très bonne ambiance. Hein. Voilà. Bon. Bon, ben. On va aller chercher le chameau. On va chercher le chameau. Et la chamelle. Et la chamelle. Hein. Et le camel. Non, mais parce qu'avant, camel, c'était une cigarette. Hein. Ouais, camel, donc ouais. Quand tu prends le camel, tu prends une cigarette. Hein. Bon. Le camel. À fumer avec modération, bien toujours, sûr. N'est-ce pas? Mais là, plus camel comme elle a. Peut-être dans d'autres pays, je ne sais pas. Peut-être, hein. Voilà. Bon, il commence à faire froid. Hein. C'est parti. Hein. Parce qu'il est 5 heures le soir, là, il commence à faire froid. Hein. On va bouger un petit peu. Allez, on va bouger. Move, please. Go.
Ouais. Et ben, comme disait Abdallah, hein, notre chauffeur aujourd'hui, parce qu'en fait tous les jours on change de chauffeur, on va changer de chauffeur. Lui, c'est un chauffeur spécialisé pour le désert. C'est pour ça que il connaît le désert ici et il connaît bien conduire ici sur ces dunes de sable qui est une spécificité touristique de Dubaï. On peut pas venir à Dubaï si on vient pas faire les dunes de sable dans le désert, hein. C'est incontournable, comme on dit, hein. Et après aussi, c'est magnifique, le désert, hein. En fait, quand on voit des films où ils sont en train de mourir dans le désert parce que ils ont plus assez d'eau et tout ça, c'est un peu malheureux, mais là, bon, on est équipé, on a tout ce qu'il faut. Donc le désert, c'est joli. Quand on regarde la mer, on a l'impression que la mer, c'est la plus belle chose qu'on peut regarder, qu'on peut voir, hein, les ondulations et tout ça. Et bien, on a l'impression qu'ici, c'est exactement la mer, sauf que c'est pas de l'eau, mais c'est du sable. Hein, les gaillards. Les gaillards, ah, allez, oui, hein. Ça va? Allez, avance au footstorm, filme en blanc. Ici, parce que c'est des routes qui sont tellement grandes et qu'il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. Pas beaucoup de voitures. Et tu as vu les éclairages qu'il y a? Beaucoup de poteaux d'éclairage. Et même dans le désert, la route est éclairée. Même dans le désert, elle est super éclairée et il y a très peu de voitures. Donc, waouh. Ah, ben dis donc. C'est quelque chose. Il faudrait faire ça comme ça chez nous. Hein. Nous, ah, oui. Il faudrait qu'on ait des routes de démesure. Ben, justement. Parce que même si ça m'arrive, des fois, un coup il marche, des fois il ne marche pas. Donc, Et ici, la route dans le désert est éclairée. Ah oui. Là, on voit au fond, derrière toi, là, des petites lumières. Là, et ben, c'est des routes qui sont c'est éclairées. C'est des lumières sur les routes, ça. Exactement, voilà. Comme tu vois sur la route qui nous conduit, super, là. Ah, super, alors. Voilà. Bon, les routes de la démesure. Nous sommes à Dubaï. Bien sûr. Magnifique. Waouh. C'est quoi ce grand truc, là? You want coffee? Why not? Là, on est ce qu'on appelle la tente du désert, les tentes. Ouais, c'est ça, ok, voilà. Ah bon? Thank you. Et ma vie samoussa. Des gros samoussa. J'ai une petite galette, tout ça. Les voir, hein. BBQ, yes. Ouais. Les vrais samoussa. Samoussa. Regarde là. La bobo piment, à qui est la samoussa? Samoussa? Samoussa. Samoussa? Non, pas trop. Je mange pas trop. Bah, ok.
Comment ça Abdallah, arrive? C'est mon ange gardien, c'est mon garde du corps. Abdallah, c'est tout. Il fait tout pour moi. Alors là, Abdallah. Alors, Midi me fait l'aîné. Abdallah, emmène à moi fait l'aîné. Bah. La tient mon bague dans mon doigt. La teigne mon bague. Après, elle a dit, il faut pas la qu'on brasse. La teigne aussi un peu. Non, la pas teigne mon main. Je connais comment on l'est. La râle le bague. Elle a dit, le bonhomme, elle est là, non, vaut mieux pas. Non, Abdallah, elle est très gentille et voilà. Ouais. Mais en fait, donc, c'est quelqu'un de vraiment. Il teigne tout pour moi. Ou de bijoux, tout pour moi. De l'argent, tout te donne à Lille. Il teigne à Lille. Il fait le prix pour que le petit madame tout. Elle a dit, le madame fait ça bien joli. Elle a dit, madame, il veut des fleurs. Tout a dit que le petit madame fait bien les fleurs. Hein. Sinon, là, il ne paye pas. Ah bon? Ah, il y a tout simple, madame. Elle a dit, mettre paillettes aussi. Petit madame, ouais, bien, quand les noirs comme ça, là, là, vous la faites black parce qu'il faut, ou quoi, là? Il faut laisser sécher, là, dis-moi. Ah, il faut laisser sécher. 20 à 25 minutes. Et Abdallah, là, dis-moi, laisse pas brasser, tombe dessus. Elle m'a dit, non. Donc, là, on vient ici pour les faire l'aîné le soir, à 21h le soir, dans un restaurant. Le soir, dans un restaurant, sous une tente, dans le désert. Exactement, dans le désert. Eh ben, dis donc. On l'a fait l'aîné dans le désert. D'accord. Et combien elle a coûté? Alors, enfin, ça n'a pas dit combien elle a coûté ou combien elle a coûté à moi? C'était 30 dirhams. Hein. 30 dirhams. Et elle a fait à moi un prix. Donc, du coup, comme elle n'avait plus trop de monnaie, il reste à 50 dirhams. Elle m'a dit que 50 dirhams, fait le deuxième doigt. Donc, il a fait un deuxième doigt pour moi. Pour 50 dirhams. Voilà. Ah, 50 dirhams, ça a pris 15 euros. Donc, pour 15 euros, on a ça, sur les deux doigts. Bon, on va voir demain ce que ça donne quand tu crois qu'il enlève tout ça. Hein. Ah, mais la madame a dit à moi le résultat, elle m'a mis top parce qu'avec les brillants incrustés, ça fait un bel effet. D'accord. Oui. Vous l'êtes toujours bling bling, même ouais, même vous vient Dubaï, vous l'êtes Dubaï bling bling. Surtout à Dubaï, comment ne pas être bling? Dubaï bling. Dubaï bling. Netflix. Ouais, voilà. C'est la plus beau Dubaï bling. Ah, yes. Bon, ok, allez. Regarde un petit coup le spectacle parce qu'il paraît qu'il y a des danses dans un petit instant et après, let's go to Dubai Center. Cas, ici, le repas était vraiment très bon. On avait des pâtes, on avait des dalles pour riz, on avait de riz façon indien, façon un peu réunion, donc oubliez pas ou trop. Elle est vraiment vaste et large, c'était super bon. On l'a super bien mangé parce que Mizi en plus, on l'a mangé vraiment light. Donc, c'est vraiment une très belle soirée. Il peut dire quelque chose? Dis-moi. Mais bon, mais là, ça ne gagne pas film à moi. Là, non, mais gagne pas, elle a dit, Ma dire quelque chose. Hein. À Dubaï, là, hein, la langue la plus parlée, mais là, pris ça que l'on parle si fait ou tel. Et qui se reprend ça? Dis-moi un coup. Hein? C'est maman de l'autre côté, là-bas, maman de l'autre côté. Il s'amène un chicha pour moi. Ah bon, bon, ben il filme pas ça. Les bons, il filmera pas le chicha parce que vous les contre le chicha. Mais il est contre ça. Ben, moi, c'est parce que nous, dans le Moyen-Orient, alors, juste pour dire au cas Dubaï, la langue la plus parlée, c'est l'hindi. C'est pas vrai. Oui, parce que Dubaï compte à peu près 3 300 000 personnes, dont plus de la moitié, c'est-à-dire 1 500 000, sont des Indiens qui sont arrivés ici depuis le 1960 pour la main-d'œuvre, un petit peu de main-d'œuvre, un peu bon marché. Hein, ils sont nés ici, mais après, ils ont rapatrié un petit peu toute leur famille. Leur famille viennent les voir pendant les vacances. Donc, du coup, même les touristes ici, là, le plus grand. De partie des touristes, c'est des Indiens. Et pourtant, Abdallah, c'est un musulman, mais Abdallah, cause bien. Ah oui, parce que les Dubaïens, ou les comment on appelle ça, ou les Dubaïotes? Dubaïotes. Pourquoi on appelle ça Dubaïotes? Je sais pas, mais il faut entendre ça quelque part, les Dubaïotes. Non, le Dubaïen, eh ben, eux, ils comptent entre 10 et 15% seulement de la population, pas plus. Sur les 3 300 000 personnes, il faut compter à peu près 400, 450 000 seulement des gens qui sont de Dubaï et vraiment nés à Dubaï. Enfin, nés à Dubaï. Et puis, il faut dire aussi, que ici ben, on a beaucoup d'Indiens, mais oui, on a beaucoup d'Indiens et puis ils ressemblent beaucoup à l'Inde ici. Hein. En tout cas, le vieux Dubaï, ben, ils ont fait à en sorte que ça ressemble à l'Inde parce que dans tous les petits quartiers et tout, on n'a que des boutiques indiens. Hein. Exactement. Ouais. Ben oui, même au niveau de la non-alcool et tout ça, voilà. Voilà, voilà. J'allais demander quelque chose aux madame et puis je sais pas s'il faut la demander. Are you shisha? Do you want shisha? Yes, but I don't. I don't smoke. No, yes, I smoke, but not a big shisha, a small shisha, just for me. Just for me. It's possible? It's all the same prices, but all the shisha is big. It's big? Yes. Oh, it's not for me. I'm alone. Yes. I'm alone to smoke. You want it now? I can tell the guy to bring for you which flavor they need. You are thinking? Tu vas y réfléchir? Ah ouais, yes. They have bubble gum, they have mint also if you want. Okay. I can tell to the guy to bring on your table. I say you to later. Okay? Yeah, okay. Okay, you I say you more later. Things. Okay. Danseuse. Ou danseuse. Danseuse. Les belly danseuses. Alors belly ça veut dire quoi?
Danse du ventre, belly dance. D'accord, là. Danse orientale. Les bons. Ok, alors, ils ont mis ça pour la fin, dernier. Ben oui, mais là, vous connaissez, il n'y a pas à attendre. Moi, mes films ont mangé, là. Et là, au doigt, comment il est là. Il va la mettre ma tenue pour faire la belly dance, hein. Mais trop tard, là, dis-moi, mange. Mais comme il mange, après, mon ventre est plus plat, il est plus dansé, hein. Ah, pour le ventre, il pointe devant. Ah, ah, pour ça. Elle danse super bien. En plus, mais elle danse son vêtement, elle est magnifique. Let's go. Let's go, Abdallah. Everything is perfect. Ok, thank you. Et vous l'avez ici, comment c'était à 8h30, à fini. À hein? Attraper, plier, balayer, nous rentre la case. Balayer. Perfect. Bon, on y va. Yes, let's go. Let's go. Ok. Abdallah, you want water? Hein? Abdallah, les trucs ça. Abdallah, là-bas, il porte tout sac. Il Amdoulila. Porte tout. Hein? Amdoulilah. Amdoulilah? Ah oui. C'est quoi il veut dire ça? Alila, prends-moi ça. Ah bon? Bénédiction, elle dit Amdoulilah is good. Ouais. Bismillah, Bismillah is good. Voilà. Ah ouais, d'accord, alors elle est bon. Eh ben, Abdoulilah avec le sac et tout. Katali, à moi, il porte pas de sac. Abdoulilah. Bon, allez, 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 on rentre à l'hôtel. Hein? Alors, quelle sacrée soirée? J'ai aimé. Ma soirée dans le désert. Bon. Camel. 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 You want camel? Non. No camel. It's too late. It's too late. It's too late. Tu as trop mangé, hein? Ouais. Là, you get plus grimpé. Coucou la camel. Laisse-moi là, grimpe sur le camel. Allons rentrer donc parce que. Eh, Kamel, elle est fatiguée, il faut laisser lui reposer. Oui, ben là, c'est une tamotille, on court, on a vu combien il pèse. Oh, puis on finit de manger là. Va t'y aller? Ben oui. Oh. Bon, allons-nous. Alors, on rentre à l'hôtel là? Oui, mais Abdallah l'a fait aujourd'hui son bon samaritain. Il y a tout le monde. Ah oui, tous ses coéquipiers. Tout le monde y est dans le chemin. Si on est en panne dans le désir, Abdallah s'est aidé. Si on est en panne sur la route, Abdallah s'est aidé. Ouais. J'ai le manque de l'eau non, aussi. En fait, Abdallah s'est donné. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Comme quoi, quand tu voyages, tu tombes toujours sur des gens très gentils, humbles, vraiment. Il a une bonté de cœur, ce monsieur-là, mais. Les choquants, les touchants. Ouais, donc vraiment, aujourd'hui, voilà, nous là à Dubaï, mais nous rencontrons à nous qu'on a beaucoup de bonnes personnes ici sur cette terre encore. Oui, exactement. Donc voilà, malgré que la modernisation, malgré que c'est une ville qui est très développée, c'est bling bling. Ah, ouais. Les gens là toujours un cœur et me diraient même que c'est dans ce genre d'endroit que vous trouvez vraiment des gens qu'on a vraiment bon. Avant de finir ce registre sur le désert, oui. Y a quelque chose que la choque un petit peu parce que bon, nous l'a vu tout à l'heure au repas un petit vin blanc. Oui. Hein, Chardonnay qui vient du Chili. Tout à fait. Magnifique. Et magnifique. En plus, hein. Très cher seulement, hein, parce que ici là. L'alcool est très cher. Hein. Dubaï, dès que tu bois un vin blanc du Chili, un vin blanc classique, hein, tu sais, c'est 100 euros la bouteille. Ce n'est pas comme en France. Ouais. Comme alors que ce vin-là, à La Réunion, coûte à peu près entre 10-12 euros. Voilà, même pas. Ouais, même pas exactement. Euros, ouais. Sauf que le vin du Chili, ici, à Dubaï, on en trouve plus facilement que du vin français. Mais c'est pas la culture du vin, c'est pas la on essaie de chercher un vin français, on n'a pas trouvé. Non, on n'a pas trouvé, mais en tout cas, on passe vraiment de très bons moments ici. Avec ou sans vin?
Ah mais bien sûr. En tout cas, c'est 20 sur 20. C'est 20 sur 20. Parce que depuis notre arrivée, on s'est vraiment intégré. On se sent comme chez nous, même un petit peu comme en Inde, on va dire. Hein. On n'est pas trop dépaysé. Ben, normal, la moitié de la population est indienne. Ouais, mais nous retrouve à nous quoi. C'est-à-dire que même si n'est pas l'anglais, la barrière de la langue ne nous gêne absolument pas. Nous arrivons à comprendre à nous et nous arrivons à échanger. Donc ça, c'est vraiment fondamental et c'est vraiment exceptionnel. Donc vraiment satisfaite en tout cas de ce premier séjour. D'accord, alors donc, ok. Voilà. Bon, nous retrouve peut-être la semaine prochaine dans de nouvelles aventures sur Canal Austral, d'accord. Ville, et après nous va revenir. Oui, ça, voilà, voilà. Voilà. Hein? Okay. Next time. Next time. Yes. Next time in Dubai. Yes. Good evening. Ok. Bye bye. À la semaine prochaine. Yes. Hein? A pleasure. Next week.